3-4, 4-4. Certains me diront, mais Isaac, c'est quoi? On fait maintenant les maths ici, on fait même les fractions. Calmez-vous, les gars. On est là pour voir ça, pour comprendre ça. Parce que dans les commentaires, ça a chauffé là, dans la dernière vidéo. Si tu n'as pas revu la vidéo là, je t'invite à aller voir la vidéo. Parce que là, c'était chaud. Hello les passionnés, j'espère que vous portez bien. Sinon, moi, je suis super en forme. Je suis très ravi, content, joyeux de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle séance également. Parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour progresser. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue dans la communauté Eventums, la communauté des passionnés. Les passionnés, ceux qui veulent vraiment jouer avec passion, ceux qui veulent progresser et devenir plus confiants devant leur batterie, qui ne veulent plus avoir peur, qui veulent prendre du plaisir devant leur batterie. C'est pourquoi je t'invite à faire deux choses. Clique sur le bouton s'abonner pour rejoindre, parce que pour nous, là, tu rejoins la communauté et tu actives la cloche pour être informé quand les séances seront déjà en cours et disponibles. C'est bon? Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais également réserver une surprise là-bas. Parce qu'à la fin, je dirais c'est quoi la différence entre le 6-8 et le 4 et le 3-4. Parce que souvent, ça peut être compliqué. Trêve de rythme, passons à la seconde phase. Le 4-4, déjà, il faut comprendre que dans la dernière vidéo, on l'a fait. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite encore à aller voir la vidéo. Je le mettrai dans le i ici, mais à la fin, quand tu finiras cette vidéo-là, tu es parti là-bas voir cette vidéo-là. On continue. Voilà, le 4-4, en fait, déjà, il faut comprendre que le chiffre du haut représente le temps. D'ailleurs, on est sur 4 temps. Le chiffre du bas représente la valeur de temps. Parce qu'il y a plusieurs manières. Bon, je vais te faire ça simplement. Il y a plusieurs manières de compter. Souvent, on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais sauf que, il y a une autre manière de compter. Souvent, on peut dire, on compte à la croche en fait. 1 et 2 et 3 et 4. Ça dépend. Ça dépend vraiment de, voilà, de chaque note, de chaque personne et chaque chant. Ça dépend également de beaucoup de facteurs. C'est bon? Donc, bref, le haut, c'est le temps. Le bas, c'est la valeur du temps. Donc, nous, ici, on est sur du 4-4. Ça veut dire que là, on va compter à la noire. La valeur de chaque temps, c'est la noire. C'est-à-dire qu'on aura 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Pareil pour le 3-4. C'est-à-dire qu'en haut, on a le 3. En bas, on a le 4. Ça veut dire qu'on aura 3 temps et la valeur c'est quoi? C'est toujours là. Là. Oui, toi, oui, la noire. Très bien, acclamé pour Robert. Voilà, super Robert. C'est-à-dire, on aura la noire en bas et la valeur c'est cette noire là. 3 là. Donc, on aura 3 noirs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon. Je vais te jouer deux rythmes. Avec ces deux-là, je fais un rythme 4-4 et un rythme 3-4. 1, 2, 3, 4. 1. Maintenant, je vais te jouer un rythme 3-4. Voilà, tu vois un peu la différence, tu vois. Et aussi, il y a par exemple des rythmes aussi funk en fait, des rythmes rock qu'on peut également jouer au niveau du 3-4. Ça vraiment, on le verra plus tard. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, il y a le 4-4, on compte 4 temps. 3-4, c'est 3 temps. Vous voyez? Et si par exemple, je l'accélère, le 3-4, en fait, vous allez voir que c'est un style qui est beau. C'est un rythme qui est souvent beaucoup utilisé. Je vais faire les deux, mais plus rapide que ça. Allez. 1, 2. Maintenant, le 3-4. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, sauf que attention, je vous ai promis au début de la vidéo, merci à toi si tu restes jusqu'ici. Et toi, je sais que tu as envie vraiment de vraiment voilà, progresser. Ça, c'est très bien. Il y a une différence entre le 3-4 et le 6-8. Parce que le 3-4, c'est 1, 2, 3.
3. 1, 2, 3. Parce que certains disent que c'est du binaire, d'autres disent que c'est du ternaire parce que c'est la belle note qui est en haut, c'est vraiment en fait une note en fait un peu voilà, un peu ternaire en fait. C'est comme si on a multiplié le 3, 4 là par 2, c'est-à-dire le haut on multiplie par 2, ça fait 6, tu vois, et en bas on multiplie par 2, ça fait 8. Donc les gens disent que non, voilà, le 6, le 3, 4 est vraiment un peu le, je dirais la moitié du 6, 8. Donc c'est, voilà, c'est beaucoup de théorie. Mais sauf que, il faut comprendre qu'il y a une différence. Il y a le 6, 8, qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Alors que 3, 4, c'est 1, 2, 3. Je vais te faire une petite démonstration avec en fait juste un style. Ou un rythme, donc pour moi, 4, 4 et 3, 4 et 6, 8. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que le 3, 4, ça fait. J'espère que vous avez compris la différence entre le 6, 8 et le 4, 4. Et n'hésitez pas vraiment de le pratiquer à la maison. Prenez des chants, essayez de chercher. Ça fait un 3, 4, essayez de compter. Ça va vous permettre en fait de vraiment augmenter là, voilà, la capacité, votre capacité à comprendre un peu les, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur des chants. C'est quel style, c'est le 4, 4, c'est le 8, le 6, 8, le sera. C'est bon. Sinon, merci à vous si vous avez jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis vraiment content de vous, voilà, de passer ce moment avec vous. Cependant, juste une annonce, il y aura en fait, je ferai un live d'ici le 28, si possible. On aura un live où on va discuter un peu, on va faire le bilan de l'année, car c'est très important, il faut qu'on fasse le bilan de l'année. Voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les choses à améliorer. Vous voyez qu'il y a tellement de choses à améliorer. Ce sera un moment pour chacun aussi de, voilà, de pouvoir discuter ensemble, être ensemble. Sinon, n'hésitez pas, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, jouez avec passion. We'll be right back.